Bonjour tout le monde, c'est Testor de Jeux Pas Cool. Aujourd'hui, nous sommes ici sur FIFA 12 pour la finale de la Champions League Bayern contre le Borussia Dortmund qui a lieu ce soir au stade de Wembley. Enfin, c'est un stade à Londres. J'ai pris le Bayern, bien sûr. Oh, on s'en fout de ça. Ah, Müller. C'est la finale. Sachant que le Dortmund ont battu 4 à 1 le Real et que. Et que. 4 à 1 et ensuite ils ont perdu, il me semble, c'est plus trop. 3-0. Non, non, non. Si, il me semble. Bref, quoi. 4 buts à l'extérieur, il me semble. Ou bien je raconte des conneries, je sais pas. Mais, ou sinon, le Bayern qui. Non, je disais. Ou le Bayern qui. Qui. Ils ont gagné 5 à 1. 1 ou 5 à. Non. D'abord 4-0. Ensuite. Qu'est-ce que je dis 5? Donc 4-0 et 7. 3 buts et ça fait 7. Et. J'ai mis start avant parce que j'ai fait une gaffe en fait. J'ai oublié de mettre en pro. Donc je suis en semi-pro. Oui, parce que. Je suis pas assez fort pour jouer en pro. Alors, des fois, je mets semi-pro. Donc, là, ça sera semi-pro. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs gameplays où j'ai mis semi-pro, du genre les gameplays Bayern Dortmund, par exemple. Vous allez me dire, mais c'est là Bayern Dortmund. Et ben non, puisque Bayern Dortmund. Oui, je l'ai déjà fait il y a quelques mois peut-être, en 2013 il me semble encore, sur PS3 bien sûr, et sur FIFA 13, voilà, j'ai gardé l'équipe comme ça, du Bayern, je sais pas si le Bayern sont favoris, mais selon les statistiques, Bayern sont favoris. Là, ouais. Yakagawa, le petit japonais qui a été transféré à Manchester, qui l'entraîneur Sir Alex Ferguson va partir à hors jeu. J'aime bien me répéter. Bref. Comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je fais pas les mises à jour, mais bref quoi. Vous devriez le savoir un minimum. Ou sinon, j'ai dit aussi dans la. Et goal! Bref quoi. J'ai un peu abusé là. Je disais, oui. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait. Ah mince, j'ai oublié de faire mes mots. Bref quoi. Je m'en souviendrai un peu après. Ah oui, que je suivais la Champions League plus, ben, je préfère cette coupe, enfin, cette Champions League. Et puis, pour ma dernière vidéo, normalement, j'étais censé vous poster le mercredi 15 mai. Ben, j'ai pas pu parce que YouTube était beaucoup. Bref, quoi, je me répète. Je dis ça longtemps, beaucoup trop long. Et une erreur. Oh, c'est bon. Mais bon. Je pourrais marquer plus de goals, c'est ça l'avantage. Et le désavantage, c'est qu'il y aura moins de spectacles. Quoique. Ah bah ouais. Non, c'est bon. Quoique. Oh non, mince. Quoique, oui. Gold Barrios. Une mauvaise passe de Neuer, mais ça m'entraînera à faire les passes comme ça. Je ferai les changements
pour une fois, vers les 70e minute, peut-être. Parce que pour moi, c'est important, les changements, maintenant. Attention, Müller, sur son pied gauche, non. Non, il peut pas la prendre, le joueur. Eh ben oui, Gomez, Gomez, Gomez. Une tête, c'est magnifique. Sur une tête! Sur une tête, les amis! Non mais, bref, quoi. Et aussi, la vidéo de l'Europa League, ben, j'ai perdu 2 à 1, comme dans la réalité, sauf que la réalité, ils ont pas marqué à la 4e minute. C'était plutôt un but de Fernando Torres qui a réussi à dribbler. Oh, dribbler, non. Ah non, c'est pas 2-0, c'est 2 à 1. Ah bah mince, à dribbler le gardien. Ah, je perds mes mots. Le gardien du Benfica, Arthur, comme vous le voyez, 2 à 1, 4 tirs chacun, 3 tirs cadres pour moi, 1. Bah, le Borussia 49, 51 de possession. En tacle, j'en ai fait 6, donc je suis plus agressif, j'ai fait une faute. 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 blessure, 0, 1 hors-jeu. Ah, de Gomez. Et un corner. La précision des tirs. Eux, ils ont 25%. Et moi, j'en ai 75%. Eux, ils ont 85% précision de passe. Moi, j'en ai 75%. Donc, ah, c'est à moi, c'est vrai. Ah, et je vous prépare un nouveau projet. Mais ça sera. Un nouveau projet, bien sûr. Ben, ce nouveau projet sera sur FIFA. Mais maintenant, je l'ai déjà fini. Je compte vous le poster après cette vidéo, peut-être. Mais bref, quoi. Ce nouveau projet. Oui, ce nouveau projet. Eh ben, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Oui, un gros con qui a bêtement supprimé tous ces fichiers. Eh oui. Je crois que je les avais sauvegardés, mais maintenant ça m'apprendra une seule chose. Ah mince, c'est que je ne devrais jamais, je ne devrais jamais supprimer mes fichiers avant d'avoir fini le tout le truc. Bon bah ça m'apprendra, mais pas grave, parce que j'en ai fait un autre, j'ai tout recommencé, je viens de le, fi je l'ai fini déjà, ouais. Et puis c'est bon, je l'ai fini. Ah, et ça n'a aucun rapport, mais comme on était dans le sujet de ce Alex Ferguson, ben, il y aura Rooney. Ah, je suis mauvais. Il y aura Rooney qui va aller au Paris Saint-Germain. Ça fera des contents et des mécontents. Des contents pour les Parisiens qui auront l'honneur d'accueillir la star anglaise assez vieille quand même 27, 28, 29, 30, 31. Ok, je dis au bol, je connais pas les âges. Et ben voilà, hein. Oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Désolé, je m'emporte facilement. Bref, quoi, Mario Gomez, quoi. Et ben oui, hein. Oui. Je bats le Dortmund! Je bats le Dortmund! Par contre, je n'ai rien contre le Dortmund, c'est juste que je préfère le Bayern. Et vous ne saurez peut-être jamais pour qui suis-je? Paris Saint-Germain ou l'OM? Ah ah! Ah bah mince, hein! Vous voulez le savoir absolument, parce que voilà quoi, c'est important de savoir si une personne est pour le Paris Saint-Germain ou l'OM. Bah oui, je disais, Rooney va venir, donc ça fera Ibrahimovic, un bon joueur qui fait plein de bicyclettes et tout ça. Ah mince! Pas grave, ceinture noire de taekwondo. Et puis Wayne Rooney qui a fait, oh mince, une bicyclette contre Manchester City, il me semble. Mais bref, quoi, il fait plein de bicyclettes, de toute façon. Champion de boxe, non, là, c'est pas vrai. Mais par contre, la boxe, il en a déjà fait, Wayne Rooney. Eh ben oui, eh ben oui. Ça veut rien dire.
Cristiano Ronaldo, champion. Non, ok, bon, je vais pas faire, rien faire de blagues comme ça. Hop là, y a pas hors-jeu, y a pas hors-jeu. Gomez toujours, Gomez, faut que je fasse des changements. Et Gomez, oh non, 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 non. Dégage la dehors! C'est bon, changement, direct. C'est la première fois que j'en fais et j'en ferai toute ma vie des changements. Sérieux? Sérieux? Aucun attaquant. Ok, sympa, 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 sympa. Non mais bien sûr que non, ça me va pas! Oh, je voulais remplacer Gomez! Vous allez me dire bon, à quoi ça sert. Mais Gomez... Parce que... On va dire qu'il est assez fatigué. Mais bon, on va prendre Timochouk à la place de l'équipe le Gomez. Vous allez me dire que c'est pas logique. Et bah oui, il n'y a pas de logique dans le jeu, vous croyez quoi? Ah mince, j'ai oublié. Et puis Müller, je vais le faire avancer ici. Bah quoi, tout le monde doit participer à la grande fête de cette victoire, de cette finale. Allez. C'est très important pour eux. Tandis que dans ce jeu, Shaqiri, le jeune Balois, de 20 ans peut-être, n'y est pas dans le Bayern. Ça doit être quand même assez agaçant pour lui. Il était à Bâle, il jouait plein de matchs, il vient au Bayern, il joue presque pas. Mais bon. Bref, quoi. À Robben. Robben à Müller. Müller, Müller. Sur son pied droit. Oh non, la latte! Oh non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Pourquoi mettre une latte? Ah bah oui, je sais. Raphinha sur son pied gauche. Ah, une reprise. Non, non, non! De son coup. Ou bien, j'ai une blague sur le football. Qui va gagner la Coupe du Monde 2014? Tout le monde dira le Brésil, d'autres diront l'Espagne, bien sûr, ça paraît logique. Et moi, je dis le Qatar. 2 à 1, ils auront payé le match. C'est bon, j'ai gagné, je suis un champion, oui. J'ai rajouté ça parce que je sais que le dernier match, c'était un match amical, quoi. Ah, c'était ça. Mais là, j'ai rajouté, j'ai fait sorte de compétition, quoi. Tout le monde est content quand même. Kagawa, le jeune 23, japonais. Ouais, et tout le monde est en train de faire des câlins. Hein, comme des gays. Bref, quoi. Les supporters sont contents, il y a beaucoup de jaunes, il y a beaucoup de... Non, pas de blague. Il y a beaucoup de rouge. Et il y a des mix entre deux. On dirait que c'est fait exprès. Parce que c'est fait exprès. Il y a des confettis rouges. Par contre, je plains les gens qui jouent sur le terrain italien. Du genre, je ne suis pas raciste. Du genre Naples. Ou bien la Sicile. Des trucs comme ça. Parce que voilà quoi. Il y a un volcan tout près du stade. Ils risquent leur vie. Mais par contre, ça doit être 10 fois mieux l'effet que des confettis parce que le volcan il fait et il y a à la place de petits confettis, c'est nul les confettis. Ça sera le volcan et puis la lave qui vient brûler tout le monde. Voilà, j'ai mis une coupe qui ressemblait la plus à celle de la Champions League. C'est ce soir à 21h40, non, 20h40, des feux d'artifice pour eux. Et puis on va se quitter maintenant. Ouais, on va se quitter maintenant. Veuillez partager cette vidéo. Veuillez aimer cette vidéo tout de suite. Et puis, si vous avez aimé, aimez cette vidéo deux fois, même si c'est impossible. Si vous avez commentaire, si possible. Et puis voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais voir les statistiques avec vous. Oh non, j'ai fait un remplacement. Oh non, oh non, oh non. Il n'y a personne qui a fait. Bon, on va se quitter. Au revoir.